Tu t'es construit patiemment avant Arsenal, avec des prêts à Nice et à Marseille, avec qui tu as connu ta première sélection, avant de t'imposer à Arsenal. À quel moment tu t'es dit vraiment que tu avais le niveau international, tout simplement, et que ça allait le faire pour toi? Oui, c'est clair que ça fait 2 ans que je suis en sélection. Ma première sélection, c'était quand j'étais à Marseille. Après, j'ai toujours su que j'avais le niveau international. Si le coach fait appel à toi, c'est qu'il pense que tu as le niveau international. Et j'ai jamais douté, même si au début, ça n'a pas été facile. Mais je pense que là, je suis dans une bonne période et je commence à avoir beaucoup plus confiance en moi en sélection. Comme disait Fabrice, tu as pas mal bougé sur ton début de carrière. Quelles ont été les étapes les plus importantes à tes yeux? Je pense que c'était quand les 6 premiers mois à Arsenal, j'avais pas joué. Il fallait du temps de jeu. Donc, j'étais parti 6 mois à Nice, mais je pense que le plus gros virage de ma carrière, c'est quand j'ai été en prêt à Marseille. Je pense que ça a été déterminant et c'est aussi la saison qui m'a permis de faire mes premiers pas en équipe de France. Donc je pense que c'est un an et demi entre Nice et Marseille qui m'ont permis de rester au contact du haut niveau.